Le temps nouveau. Quelque chose va se passer. Un temps nouveau. Voici une nation qui a connu deux années de percussion, des années percutées. Un pays dans lequel vous avez vu des attaques sérieusement se manifester face aux Ivoiriens, à tout le monde que nous sommes. Une difficulté s'est percutée à nous. De difficulté en difficulté, si vous avez suivi depuis le fameux procès de 1999. Et ce procès a déclenché spirituellement un événement. Voyez, depuis ce temps de procès, je voudrais ouvrir vos yeux là-dessus. Remarquez, la Côte d'Ivoire est partie d'événement en événement. Et moi, je voudrais vous rappeler ce matin que la manifestation de la puissance de Dieu est parvenue à un niveau incontestable. Parce qu'il fallait que Dieu entame la mise sur pied de son programme, de son temps. Il fallait que le Saint-Esprit se manifeste, que Dieu brise les entités les plus solides pour braver sa gloire au plus haut niveau de cette nation. Voici pourquoi Dieu nous a provoqué un procès. Et quand nous sommes passés par ce procès, le Seigneur a gagné. Et à partir du moment où Dieu avait gagné contre le pouvoir mystique le plus solide, contre lequel humainement personne ne pouvait se lever, Dieu donc a positionné son esprit. Et Dieu a dépêché sa gloire. Et Dieu a commencé à secouer la Côte d'Ivoire dans son essence. Il a commencé à la secouer pour montrer à la nation qu'un temps nouveau arrive. Que lui, Dieu, a préparé un temps nouveau. C'est pour cela qu'il a apporté tous ses secousses. C'est vrai, les gens ont péché. C'est vrai, le cœur de Dieu était indigné. Mais quelque part, dans la pensée de l'esprit, il fallait alors qu'il y ait ces secousses-là. Et la plus haute instance mystique, sinon démoniaque, sur la place, pour briser. Et après l'avoir écoulé, le Seigneur pointe et se met au-dessus pour régner au-dessus de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que vous voyez que depuis ce temps, il y a eu des secousses. Le président Bédi est parti, la transition est venue. Et la transition a été assurée. Elle est partie, elle aussi. Vous comprenez? Vous comprenez? Le président Guéhi a dirigé cette nation dans une transition. Mais la transition était de Dieu. Dieu l'a utilisé en son temps pour faire quelque chose. Et ce travail étant accompli, la seule chose que je regrette, c'est que les hommes politiques n'écoutent pas le Saint-Esprit. Sinon, ce temps était réservé simplement à un temps de transition. Parce que la dernière année, 1 million d'hommes et 6 000 ans qui devaient s'accomplir. On ne devait pas entrer dans une période nouvelle avec une idée de transition. Non, la transition est finie. 2000 était la transition spirituellement devant Dieu de façon fondée. C'est fini avec la transition. Et nous entrons dans une nouvelle période. La période qui s'appelle la période de la perfection. La période qui est une période de percée. Une période qui est une période d'émergence. Une période qui est une période de croissance, de montée. Vous voyez, vous allez remarquer que quelque chose va se faire. La science va redoubler d'efficacité. La science va redoubler de croissance. Vous allez remarquer que en matière d'automobile, il va y avoir beaucoup plus de grandes perfections. Vous allez remarquer en matière d'aéronautique, vous allez voir une autre perfection. Ça veut dire que spirituellement, une perfection aussi va s'abattre dans la vie des chrétiens et des croyants. C'est pour cela que je vous dis la vérité. Une période nouvelle sonne à nous. Des choses nouvelles vont se faire. Une possibilité nouvelle va se mettre sur pied. Et ce n'est pas un hasard qu'à la tête d'une nation, il y a quelqu'un qui craint Dieu. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Parce que Dieu veut aboutir à quelque chose. Ouvrez vos yeux. Une période nouvelle souffle sur la surface de la Côte d'Ivoire. Aucune tentative de l'ennemi n'aboutira. Parce qu'une période nouvelle souffle pour toi, Ivoirien. Tu comprends pas? Dieu pense à toi. Dieu a un plan pour toi. Une période nouvelle souffle. Elle s'ouvre à toi. Une période nouvelle est arrivée en Côte d'Ivoire. Un aspect nouveau s'ouvre devant toi. Une page s'écrit. Ton histoire a été écrite, elle a été fermée. Mais une page nouvelle se met devant toi, afin que tu comprennes que le caractère prophétique que ton Dieu veut que tu adoptes à son temps qui est arrivé. Le temps de la percée, le temps de la croissance, ma fille, le temps de la grâce, le temps de la gloire de Dieu, le temps de la démonstration de la puissance de Dieu, le temps de la perfection, le temps de la grande restauration, le temps de la grâce, le temps de la bénédiction céleste.
le temps où Dieu veut découvrir, il veut découvrir ton cœur. Dieu veut remplir ton cœur d'amour. Il veut remplir ce cœur-là de potentialité. Il veut le remplir de puissance, de force. Dieu ne mesure plus sa présence. Dieu est prêt à te déverser, prêt. C'est un temps nouveau qui souffle. Un rayon nouveau apparaît. Un vent nouveau souffle devant de toi. Pourvu que tu te lèves, pourvu que tu te disposes, pourvu que tu acceptes. La main de l'Éternel est prête à ouvrir des portes pour toi. Elle est prête à ouvrir beaucoup de grandes choses pour toi. C'est l'onction qui marquera ainsi cette différence. Parce que Dieu a décidé de t'élever. Parce que Dieu a décidé de faire quelque chose pour toi. Parce que Dieu a décidé de t'apporter de cette vie. Parce que Dieu a décidé de t'apporter la restauration. Tu n'as pas été laissé pour compte. Dieu est Dieu. Et Dieu accomplira toujours sa volonté en ta faveur. Quelque chose va se passer. Une époque est passée. Une nouvelle époque se dispose. Quand vous regardez autour de vous, le Saint-Esprit prépare les choses précipitamment. L'Esprit de Dieu est en train de précipiter la mise sur pied de l'accomplissement de toutes les prophéties bibliques. Parce que Jésus revient. Quand vous lisez l'histoire de l'Europe, vous allez découvrir cela. L'Europe est en train de se constituer, mais avec une vitesse pas possible. Vous comprenez? Des pays comme la Hollande frappent à la porte de l'Union Européenne pour intégrer le mouvement. Il y a déjà le Parlement Européen. Vous voyez, Bruxelles est en train de siéger chaque jour pour mettre sur pied un gouvernement. L'Amérique donne son accord pour la constitution de ce gouvernement. On parle de globalisation, mondialisation. Nous tendons vers l'unification des religions pour avoir une religion unique. Ça veut dire que la véritable persécution commencera contre ceux qui confesseront Jésus en réalité. Parce que je ne pourrais pas accepter à certains moments de composer des doctrines qui ne confessent pas le nom du Tout-Puissant que j'aime et que je prêche. Ça veut dire que la mort va venir. Mais si cette mort doit être pour la gloire du Seigneur, je partirai et je serai béni. C'est pour cela que frère, je vous dis, les choses se mettent sur pied. Le Saint-Esprit regroupe toutes les possibilités de façon rapide pour que les choses s'accomplissent. Il a dit, la connaissance augmentera. Nous sommes arrivés à une période où la connaissance est en train de connaître une croissance pas possible. Remarquez aujourd'hui, sur le plan de la connaissance de l'Esprit Saint, il y a des performances qui s'annoncent aujourd'hui. Il y a des qualités qui se font voir aujourd'hui. Il y a des hommes, des qualités que Dieu va ériger. Des hommes de perfection, des hommes de puissance, des hommes de force, des hommes d'énergie, des hommes de gloire à l'honneur de l'Éternel. Que le Saint-Esprit va cautionner. Une nouvelle génération va se faire voir. Un vent nouveau va souffler. Vous verrez des tout petits, des jeunes filles, des jeunes gens, des tout petits. Brandis la puissance du Saint-Esprit par l'autorité de Dieu. Parce que c'est le temps de Dieu pour ces choses. Dieu met ces choses sur pied. Et Dieu veut se manifester. Et vous comprenez un peu aujourd'hui combien de fois les Ivoiriens sont en train de se convertir à Jésus-Christ. Par centaines de milliers. Aujourd'hui, chaque jour, des conversions se font par centaines. Ce n'est pas un hasard. Il a fallu que le Saint-Esprit souffle ce vent. Un vent a soufflé, un vent continue de souffler. Et la tempête arrive, elle continue de souffler. La vague va transporter tous ceux qui appartiennent à Dieu à venir à leur Père, à leur Créateur. Et Dieu va accorder une perfection. Comprenez? Ils vont percer. Des gens vont travailler dans l'administration. Des gens vont connaître une grande percée en matière d'affaires. Des gens vont connaître de grandes percées en matière sociologique, en matière politique, en matière économique. Et tous ces aspects vont être favorisés. Et la puissance de Dieu va s'établir davantage. Et Dieu va aller avec nous dans une autre dimension. Voici pourquoi je dis un temps nouveau. Quelque chose un temps nouveau. Un temps nouveau, prêt. Un temps nouveau. Un souffle nouveau à l'horizon, frère. Pourquoi un temps nouveau? Un temps nouveau parce que Dieu veut accomplir sa volonté. Les gens cherchent à se regrouper. Tout le monde se met en réseau. Tout le monde cherche maintenant à être plus efficace. Au niveau des États-Unis, des consensus se font pour relever le défi. Et toutes les nations, les hommes de Dieu de partout, des réseaux s'engagent. Les gens se précipitent pour constituer des réseaux, pour travailler ensemble, pour relever un défi de ce siècle. Parce que le temps va venir où on ne pourra plus avoir cette occasion. Jésus-Christ arrive, il n'y a plus de temps à perdre. C'est pour cela que nous devons nous consacrer, frère. Nous devons nous consacrer à la matière. Nous devons nous consacrer à l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Celui qui est appelé à servir Dieu, celui qui a même quelques responsabilités que ce soit, doit le faire avec conscience, une conscience propre. Il doit le faire avec intégrité, efficacité, fidélité, quoi qu'il en soit, afin que Dieu nous fasse porter le résultat de sa gloire. Parce que chaque action qui est posée est favorable pour le salut de notre nation. Elle est favorable pour la délivrance de la Côte d'Ivoire.
elle est favorable pour la délivrance de nos parents, de nos frères, de nos soeurs, partout dans le monde, même dans la sous-région, en Afrique. Des conférences panafricaines sont engagées pour sensibiliser des gens. Un temps prophétique est arrivé. L'un des ministères que Dieu va relever dans ces derniers temps est celui-là que les hommes ont beaucoup oublié. Mais aujourd'hui, Dieu va le relever dans le monde. C'est le ministère du prophète, ministère prophétique. Parce que Dieu veut révéler à la face de la nation, il veut révéler à la face de la terre son plan nouveau, son dernier plan, l'engagement de sa gloire, afin que le monde sache qu'un temps nouveau souffle et Dieu arrive pour élever l'église avec lui. C'est pour ça que tu dois savoir que si tu en as l'opportunité, ne la gâche pas, parce qu'un temps nouveau souffle pour toi. Vous me comprenez, Ivoirien, un temps nouveau souffle pour vous. On a été percuté à des difficultés, mais rien ne dit que ça va continuer jusqu'à la mort. C'est fini ça. Vous me comprenez, tu as bouclé le temps de la transition. Une page nouvelle t'ouvre à toi. Une page de perfection. Une page de dimension. Une page de grâce. Une page de puissance. Une page d'autorité. Une page de vie. Une page de sensibilité. C'est pour cela, frère, la qualité de la grâce de Dieu qui est posée sur ta vie, tu dois la mettre en exergue. Quelque chose de Dieu habite ton cœur. Quelque chose de Dieu habite en toi. Quelque chose de Dieu est dans ta vie. Quelque chose de Dieu est en toi. Un temps parfait sort devant toi. Quelque chose de Dieu est dans ta vie. Tu détiens quelque chose de Dieu. Et cette chose-là, elle est nécessaire pour ta croissance. Elle est nécessaire pour ta vie. Tu détiens quelque chose. Tu détiens une bénédiction. Tu détiens une grâce. Tu détiens un don de la part de Dieu. Tu m'entends? Tu détiens quelque chose. Et cette chose-là est nécessaire pour la croissance de l'église. Elle est nécessaire pour la croissance du royaume de Dieu. Elle est nécessaire pour que le règne de Dieu s'étende dans les cœurs. Parce que pourquoi je dis quelque chose de Dieu habite en toi? Pas. Écoute, ne néglige pas ce que tu as de la part de Dieu. Une onction va souffler sur vous. Quelque chose de nouveau va se faire. La puissance de Dieu te l'a démontré, frère. L'onction va se repentre. La gloire de Dieu va se repentre. Dieu va délivrer par la manifestation de la puissance de son esprit. Dieu va accorder des dons. Dieu va accorder une onction parfaite. Une onction fraîche. Femme comme garçon. Une qualité de l'esprit est en vous. Ne la négligez pas. Vous avez de l'importance devant Dieu. Dieu a besoin de votre petite contribution, aussi modeste qu'elle soit. Mais l'esprit marche avec vous. Quelque chose va marche avec vous. Il marche avec vous. Il est devant toi. Tu me comprends? Tu dois te lever et marcher car l'esprit est devant toi. Ne ramène plus tes pensées à l'arrière. On ne peut plus rattraper hier. Hier est parti. Pense à demain. Qu'est-ce que je vais faire avec Dieu? Pense à cette question. Où est-ce que je vais aboutir avec Dieu? Pense à cette question. Que vais-je faire avec Dieu? Pense à cette question. Je m'appelle X. Je m'appelle Temps. Dieu me demande quelque chose. Que vais-je faire? Une grâce s'ouvre devant toi. Un temps nouveau. Un temps nouveau est là. Un souffle nouveau est devant toi. La perfection. Écoutez-moi. Le temps de la perfection. Ce n'est plus le temps de la blague. C'est le temps de la perfection. C'est le temps de la parfaite action de Dieu. Pourvu que tu mettes ta vie en règle avec Dieu, il est prêt à exploser avec toi. Dans tous les domaines de la vie, dans tous les secteurs d'activité de la vie, Dieu veut bouger avec toi. Dieu veut réussir une mission avec toi. Tu comprends ceci? Ne vous négligez pas du tout. Ne vous négligez pas du tout. La position que tu tiens est une position sensible à Dieu. La grâce que tu as est une grâce sensible aux yeux de Dieu. Dieu te regarde et Dieu veut aller avec toi à une autre dimension de sa gloire. C'est pour cela que je te dis ce matin, tu as un don de Dieu. Tu as quelque chose que tu tiens de la part de Dieu. Et ceci est nécessaire pour ton propre épanouissement. Il faut mettre en exergue ce que tu as. Parce que le temps de la percée est arrivé. Jésus s'est levé. Il veut faire avancer son église. Il veut faire avancer ses enfants. Il veut donner du succès à ses enfants, à tout le monde. Et celui qui veut, la main de Dieu sera sur lui. Un temps nouveau, un vent nouveau en souffle. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Je te dis que tu as du prix aux yeux de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu qui habite ton cœur. Et cette potentialité qui habite ton cœur est capable de te conduire jusqu'aux extrémités de la terre par la puissance du Saint-Esprit. Que veux-tu? La perfection? Son temps est arrivé. Dieu s'est levé. Que veux-tu? La grâce? Son temps est arrivé. Dieu s'est levé. Que veux-tu? La bénédiction? Son temps est arrivé. Dieu s'est levé. Que veux-tu? La paix? Son temps est arrivé. Dieu s'est levé. 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 Dieu s'est levé.
ne s'inquiète pas. Que votre cœur ne soit pas troublé. Que votre cœur ne soit pas troublé. Ne vous laissez pas te perturber, s'il vous plaît. C'est une période nouvelle, avec un vent nouveau, avec un accent nouveau, avec un caractère nouveau, frère. Un vent nouveau, avec une spécialité nouvelle, avec quelque chose d'impressionnant, détenu entre les mains de Dieu, les enfants. Je vous dis la vérité. Je vous parle de la profondeur du cœur de Dieu, la pensée précise de Dieu pour vous, afin que le désespoir ne vous gagne pas, mais que la puissance de l'Esprit marque la différence avec vous. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez du prix. Vous avez du prix, s'il vous plaît. Vous avez du prix, s'il vous plaît. À votre position, vous avez du prix. Dieu est favorable à votre croissance. Dieu est favorable à votre épanouissement. Dieu est favorable à votre plénitude, à votre bénédiction. Dieu est favorable à votre percée. Dieu est favorable à l'engagement que vous avez dans votre cœur. Dieu est favorable à la manifestation de sa grâce en vous. Dieu est favorable à la stabilité de votre vie. Dieu est favorable à la structure à laquelle vous pensez. Cette pensée est de Dieu. Il faut l'élaborer, frère, car le temps de la percée est arrivé. Le temps de la percée est arrivé. Le temps de la croissance est arrivé. Chaque chose doit se disposer. Chacun doit même publier le plan de Dieu qui lui a été révélé afin de rentrer dans son plan, dans sa divinité. Dieu se touche, Dieu veut se faire vivre. Dieu se touche, Dieu veut s'expérimenter. Dieu se touche, Dieu veut se démontrer. Dieu se touche, Dieu veut se faire voir. Dieu se touche, Dieu veut s'expérimenter ce matin. La puissance de Dieu est en vous. Elle est là pour vous. La percée, c'est pour vous. Vous me comprenez ce matin? Ne vous négligez pas. Ne vous minimisez pas. Vous avez des qualités de Dieu, ma fille. Vous avez quelque chose qui est de la part de Dieu. Arrêtez de vous minimiser. Dieu s'appelle Dieu. Et quel que soit votre défaut, Dieu est prêt à bouger avec vous. Quel que soit le défaut que vous avez, Dieu est prêt à se manifester avec vous. Dieu est prêt à vous bâtir. Dieu est prêt à imposer son règne. Dieu est prêt à imposer son rythme. Acceptez simplement que l'honneur de la gloire de ce nom lui soit manifesté. L'Éternel s'est levé. Un souffle nouveau est ici. Un vent nouveau souffle, frère. Un vent nouveau souffle, frère. Après la souffrance, il y a un temps de gloire. Après la grâce, la manifestation se fera voir. Un temps parfait. Ton ministère, tu dois y penser. Un temps parfait. Ton ministère prendra une tournure vertigineuse si tu penses que le temps t'appartient. Ta vie prendra une tournure magnifique si tu crois ce matin que le temps t'appartient. Ce temps qui passe t'appartient. Ce n'est pas le temps de qui que ce soit, c'est ton temps. C'est ton temps à toi. C'est le temps de ta grâce, c'est le temps de ta bénédiction. Ce temps ne te recherche pas toi quatre fois. Il se vit, tiens-le, prends-le, profite-en et saisis cette opportunité que l'Esprit de Dieu te donne. Saisis-la parce que le vent qui s'ouvre, c'est un vent qui nettoie, qui balaie, qui dégage et qui restaure. Un vent de la gloire de Dieu, un vent restaurateur, un vent prophétique, un vent béni, un vent magnifique. C'est toi, c'est ton temps, s'il te plaît. C'est ton temps. C'est ton temps. Dans toutes les activités de la vie que tu tiens, c'est ton temps. N'hésite pas du tout. Tu veux monter une entreprise, c'est ton temps. Tu veux faire quelque chose, c'est ton temps. Demande à Dieu et engage-toi, c'est ton temps. Le temps de Dieu est prophétique pour toi. C'est une restauration pour toi. Maintenant, la perfection, ça part sur nous. Nous subissons le temps de la perfection divine. Cette perfection, elle doit se sentir dans tous les facteurs de la vie. C'est ton temps, c'est ton temps. C'est ton temps, s'il te plaît. C'est ton temps. Consacrons-nous, Dieu nous veut, consacrons-nous. Dieu nous demande quelque chose, consacrons-nous. Mettons-nous à la hauteur de la pensée de Dieu. Dieu nous exige notre temps, Dieu nous exige notre vie. Mettons-nous à la hauteur de notre Dieu. Mettons-nous à la hauteur du plan de Dieu, frère. Parce que quelque chose va se passer. Pourvu que chaque personne, chaque femme s'engage à entrer dans le plan de Dieu. Vous comprenez? Si je gagne 10 âmes, vous gagnez 15, vous gagnez 20. La main de Dieu fera avancer toutes choses. Si je gagne 3 âmes, que vous en gagnez 5 ou 10 ou 9, vous comprenez combien de fois le royaume des cieux sera réjoui. La puissance de Dieu n'est pas limitée. Elle est là pour toi. Tu as ta part de grâce, tu as ta part de bénédiction. S'il te plaît, ne te mets pas en marge de cette pensée de l'esprit, mais entre dans la profondeur de ce plan et reconnais avec toi. Dieu peut réussir quelque chose. Il veut compter sur toi. Il veut compter sur ta petite contribution. On veut voir aujourd'hui des hommes et des femmes se lever. Des femmes brandir la puissance du Saint-Esprit et voir le Seigneur délivrer des milliers, pas des puissants dons.
les dons parfaits de Dieu. La finesse de l'esprit. La finesse de l'esprit. Une possibilité, une capacité est là. Tu es capable de quelque chose. Une capacité de l'esprit, elle est en toi. Une capacité est en toi. Un facteur de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu qui est en toi. Une énergie de Dieu habite en toi. Un caractère de Dieu habite en toi. Tu comprends? La puissance de l'esprit est logée dans le fond de ton cœur. Il y a quelque chose de Dieu qui est en toi. Et tu peux mettre ceci en valeur. Il est possible que tu mettes cela en valeur pour exploser en quelques fractions de seconde. Quelque chose de Dieu habite en toi, mon frère. Il y a quelque chose de Dieu qui habite en toi. Quelque chose de la part de l'Éternel qui est en toi. Quelque chose de magnifique que personne ne peut avoir. Mais sauf toi, parce qu'il a dit que c'est pour toi. Vous savez, quand il a désigné ça ta vie, quand il a dit que ceci t'appartient, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Nul ne peut te l'arracher, parce que le don de Dieu n'est pas suivi de chagrin. Quelque chose de magnifique habite en toi. Quelque chose de magnifique de la part de Dieu habite en toi. Une qualité de Dieu habite en toi. Une perfection est dans le fond de ton cœur. Tu dois la mettre en tête. Quelque chose est en toi. Quelque chose est en toi. En toi. Dieu nous a envoyé une coupe de grâce spéciale, la bénédiction céleste. Elle est ici, maman. Quelque chose de Dieu est ici. C'est à vous de marquer la différence dans votre vie par l'humilité et par l'obéissance. Mais ne soyez pas rebelle. Ne soyez pas rebelle. Car l'onction ne rend pas rebelle. L'onction rend humble. Elle rend humble. Je vais entendre une seule chose de vous. C'est que vous marquez la différence. C'est ça la force de l'esprit. Vous m'entendez ce matin? Parce que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? Notre pays est un choix. Notre pays est le choix de Dieu. Une onction est dans notre pays. Une onction plane sur la tête de la Côte d'Ivoire. Une onction parfaite plane à la surface de la nation. Elle est puissante. Une onction qui envahit. Elle est dévastatrice. Une onction de feu, un peu brûlant de l'esprit. Des miracles de guérison, des délivrances vont se faire. Vous allez voir dans les temps qui vont suivre, beaucoup de personnes seront utilisées dans le domaine de la délivrance, dans le domaine prophétique. Ils seront utilisés beaucoup dans le domaine de l'évangélisation pour que la mission de l'Éternel soit accomplie. Vous verrez des guérisons, des miracles se faire. Vous verrez des prophéties être libérées de la part de Dieu. Vous verrez l'accomplissement de la parole de Dieu pas à pas. Un pays sur lequel Dieu a tendu sa main, Dieu veut le bénir. Cette nation, Dieu veut l'utiliser puissamment. Je vous préviens que le Seigneur va élever des hommes et des femmes. Une renommée va être établie ici dans cette nation. Si tu comprends la pensée de l'esprit, tu es béni. Et la main de Dieu sera sur toi à une allure. Que si tu ne décompes pas et si tu te mets dans son plan, jamais l'esprit ne te lâchera. Parce que Dieu veut opérer par toi. Dieu veut opérer avec toi. Dieu veut opérer avec vous, chrétien. Dieu veut vous utiliser, s'il vous plaît. Un temps nouveau. Il dit, vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Ça veut dire quoi? Il dit, suis mes servantes, suis mes serviteurs. Je rependrai de mon esprit. Ça veut dire quoi? Sur la femme et sur l'homme, je rependrai de mon esprit. Ça veut dire quoi? Sur le vieil homme et sur le jeune homme, moi Dieu, je rependrai de mon esprit. C'est une génération nouvelle que Dieu suscite. Une flamme nouvelle. Un temps nouveau. Un temps prophétique. Des hommes et des femmes de prière engagés. Dieu est en train de le faire. C'est la vérité. Et une nation comme la Côte d'Ivoire n'a plus de recours. Il n'y a que Jésus de Nazareth seul. Que notre nation échappe aux menaces de l'ennemi. Et qui fait la nation? C'est les hommes, c'est les femmes, c'est les enfants, c'est nos autorités, c'est vous et c'est moi. Qui fait la nation? C'est les hommes de Dieu, c'est les femmes de Dieu, c'est les hommes engagés. Qui fait la nation? C'est ceux-là qui se lèvent pour se mettre à la brèche, pour dire à Dieu, nous voici. Aide-nous. Qui fait la nation? C'est l'engagement de chaque personne, de chaque Ivoirien à la surface de cette terre ivoirienne. Qui fait la nation? C'est cela que Dieu veut élever. C'est cela que Dieu veut utiliser. Et je voudrais que tu fasses partie de cette génération de personnes que le Saint-Esprit veut saisir.
dans le monde entier, un grand réveil se met sur pied. Vous allez au Canada, il y a une sensibilisation. Vous allez aux États-Unis d'Amérique, ils travaillent dans le sens de relever le défi aujourd'hui. Vous allez partout, même en France, où le réveil ne venait pas. Vous comprenez que les gens sont de plus en plus sensibles à la présence de l'Esprit. Tout le monde recherche le Saint-Esprit maintenant. C'est pour ça que toi, Ivoirien, tu ne dois pas être en marge de cette pensée. Tu dois rentrer dans le plan de Dieu, car ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Je te dis que ton temps est arrivé. Avec toi, Dieu peut réussir de grandes choses. Avec toi, Dieu peut faire de grandes choses. Avec toi, Dieu peut réussir parfaitement une action. C'est ton temps. Oublie ton âge. Ne tiens plus compte de ton âge. L'Esprit s'est levé. Il s'est levé. La puissance de Dieu s'est levée. C'est une présence de l'Esprit. L'empoignard de sa gloire. La puissance de son expression. Il peut t'employer. Il s'est levé pour toi. Il veut parler en ta faveur. Quelque chose va se passer. Dis, nous devons servir Dieu. Dis-le. Dis à celui qui est à côté de toi, nous devons servir Dieu. Est-ce que tu comprends cette pensée? Toi et moi, nous devons servir Dieu. La gloire de Dieu va descendre sur vous tous. Voici les filles. Ils vont prophétiser. Ils ou elles prophétiseront. L'Esprit de Dieu parlera en vous. Voici l'Esprit. Jesus Christ. Voici l'Esprit. J'ai dit, Jésus, ou Massacre, Orient, Jacassata. Dieu appelle la Côte d'Ivoire à le servir. Dieu appelle la Côte d'Ivoire, mon serviteur. Dieu appelle la Côte d'Ivoire, nation servante de Dieu. Dans le cœur de Dieu, désormais, nation servante de l'Éternel. Vous m'entendez? Nation servante de l'Éternel. Nation, pays de Dieu, nation servante de Dieu, pays serviteur de l'Éternel. Le tout petit Ivoirien, Ivoirienne que tu es, pays serviteur de Dieu. Une onction te suit, une onction est réservée pour toi. Une onction, nul ne peut te l'arracher, elle est réservée pour toi. Tu vas l'expérimenter. Une onction prophétique. Une onction prophétique, elle est prophétique, vous comprenez? La période est prophétique, le temps est prophétique, ce temps est prophétique. Et Dieu donne des dons spirituels pour que les malades soient guéris. Ils prophétiseront et Dieu sera manifesté. Ils auront des paroles de connaissance, des révélations. Et la prophétie magnifique de Dieu se mettra en marche. Le compresseur, le rouleau compresseur de la puissance de Dieu. Personne n'arrêtera la volonté de l'Éternel. Dieu a choisi des enfants pour les utiliser. La Bible dit, il dit la louange aux lèvres des avortants. C'est-à-dire quoi? Il est prêt, même les enfants, il est prêt à les utiliser. Les tout petits de 3, 4, 5, 6 ans, 15 ans, il est prêt à les utiliser. Quelque chose